شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Que la paix de celui qui jamais ne dort étreigne tendrement ton cœur, ma douceur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien et que ton petit cœur se porte bien. La méditation. Plus qu'une simple action, une connexion avec ce qui m'entoure, et par là même, une connexion à soi. Lorsque j'ouvre le Coran, je suis souvent face à la description de situations courantes de la vie, comme des dialogues et des discussions, des arguments échangés bien souvent en dehors du temps auquel j'appartiens. Allah Azzawajal fait ainsi parler les peuples qui nous ont précédés ou met en scène des situations qui auront lieu le jour du jugement. Il nous fait visiter la demeure éternelle faite de palais aux pierres précieuses et parcourue par des fleuves de lait et de miel, mais aussi faite de flammes, de combustibles comme les pierres ou les êtres humains. Qu'Allah nous préserve d'un tel destin. À travers la lecture coranique, j'arpente la terre, le ciel, la mer, et je fais connaissance avec leurs habitants. Ainsi, montagnes et plaines, étoiles et vents, poissons et coraux me sont exposés comme signes pour des gens qui réfléchissent. C'est ainsi qu'après la lecture du Coran, Allah Azzawajiel nous invite au voyage en arpentant le monde afin de goûter à des moments de profonde méditation. Ces moments qui feront naître au fond de moi l'amour, la sagesse et l'émerveillement. Lorsque je m'installe pour lire comme dans un livre ouvert la création, je ne puis que lui rendre grâce pour toute cette perfection à laquelle j'appartiens également, en qualité de création d'Allah. Lorsque je m'installe pour lire le livre de la création, je ne puis m'empêcher de repenser à notre bien-aimé prophète, qui avant même d'être proclamé prophète, avant même d'avoir reçu la visite de l'ange Ibril, s'isolait dans la grotte de Hira pour méditer. Mais que faisait-il dans cette grotte Il n'avait ni Coran à méditer, ni prière à accomplir, ni formule d'évocation à psalmodier à ce moment-là de son histoire. Pour autant, il fuyait le tumulte de la vie de la Mecque, ainsi que ses nombreuses injustices, pour réfléchir et prendre soin de son cœur par la pensée et la réflexion. Il avait ce souci, à alayhi salatu wassalam, de se retirer pour une connexion à lui-même. Une connexion et une réflexion en conscience qui ouvrirait sur un bel agir, c'est évident. C'est d'ailleurs ce qui y arriva. Après trois longues années de méditation dans une grotte sombre qui ne deviendra que bien plus tard LA célèbre grotte de Hira, Allah Azzawajal lui a accordé le rang de prophète après l'avoir éloigné de toute forme de désobéissance les quarante premières années de sa vie. Qu'a trouvé le prophète, والسلام, après ces instants d'intense méditation, si ce n'est la proximité d'Allah Qui, si ce n'est Allah, est au rendez-vous de ceux qui méditent sur la création, mais aussi sur la place qu'ils occupent dans ce monde Qui, si ce n'est notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala trouvera une issue favorable aux différentes crises existentielles que nous traversons dans le long chemin qu'est la vie. Qui, si ce n'est Allah, subhanahu wa inspirera les bonnes œuvres à ceux qui méditent sa création, son livre, ou encore ses noms et ses attributs divins. Et pour clôturer la méditation du jour, je vous invite à découvrir la méditation d'un de nos pieux prédécesseurs. On rapporte, le voyant un jour noyé dans le silence, absorbé dans la méditation, Abdallah ibn al-Mubarak dit à Sahel ibn Ali Jusqu'où t'a porté ta méditation Au pont jeté sur l'enfer, Sirat. Bishr a dit Si les gens réfléchissaient sur la grandeur d'Allah, jamais ils ne désobéiraient à Allah puissant. Et majestueux. Car en réalité, plus qu'une envie, un enjeu, c'est bien nos deux vies qui sont en jeu. Wallahu ta'ala a'lam wa wa sallallahu wa Que ta journée soit miséricorde.